Il a combien de points de vie? On peut peut-être réussir à se le faire en moins de 10 minutes. Par contre, là, je suis vraiment solo, quoi. Je crois que c'est tellement mort. C'est tellement mort. Je vais me retaper tout le donjon, je le sens. Pathétique. Je n'ai qu'une perte de temps. Avec le pouvoir que renferme la tombe, je vous détruirai tous. Préparez-vous. Je vais vous extraire de là, puis je ferai exploser les bombes. Oh! Oh oh oh! Alors, ok, super que la cinématique elle bosse pendant pendant le chargement. Ça s'appelle une technique de hors-champ, ça. Non, sérieux, on a raté l'explosion du truc? Ou c'était vraiment une technique de hors-champ parce qu'ils avaient la flemme d'animer la destruction. Ok. Ok, admettons. Je vous salue. Vous êtes notre dernier et notre meilleur espoir. Ouais. Ça a l'air bugué, ça. Ok, donc je pensais qu'il y avait plusieurs niveaux, mais en fait non, c'est juste que c'est... J'ai ça encore à faire? C'est quoi ça? Les armées sur le déclin. Je sais pas, ça marque que c'est à rendre, mais je vois pas où. Enfin, il y a bien Kadar ici, mais son point d'interrogation, il est grisé. Ah! Ça, c'est interactif. Non, c'est pas interactif, ça. Il y a beaucoup à faire. Oh, c'est pas vrai. Sans vous, ce serait la fin d'Azeroth. J'ai un point jaune, là. Je sais pas... Oui, bah oui, c'est le fly. Mais je suis où là? D'accord, ok, je suis là. Est-ce qu'il faut que je retourne à Dalaran? Attendez, on va voir un truc. Je suis plus en donjon. Je suis plus en donjon, donc. Peut-être que si je retourne à Dalaran, peut-être que la quête en fait l'emplacement est bugué, il faut que je la rende à Dalaran. C'est pas impossible.
Par contre, si le jeu freeze comme ça, bon. Parce que je sais pas, il me marque que c'est à rendre en bas là, mais. Mais bon, normalement, si elle est à rendre, j'ai pas à me retaper tout le donjon. Tu vois, on va croiser très fort les doigts. Donc, ce donjon est réalisable en moins d'une heure. Parce que j'ai commencé à 14h, il est 14h59. Par contre, faut sprinter. Je vous garantis qu'il faut sprinter quand même. Elle est où la terrasse de vol là? Elle est là. Si les PNJ veulent bien charger. La connaissance et le pouvoir. Mais il est essentiel de l'utiliser avec sagesse. Ok, il me dit qu'en gros je peux relancer l'instance là maintenant. Mais c'est pas trop mon intention. Donc ici. Si je parle à l'autre. Ouais, d'accord, ok, alors attendez. À force, il finit par être en 3 exemplaires. Ayez foi en. Si je vais à l'Argus. Ouais, vous êtes sur une monture. Ok, je sors. Ok, ce fly ne marche toujours pas. Donc, j'ai fait l'assaut. Mais je peux pas rendre la quête. Sinon, j'avais pas vu ici, ça a l'air d'être cool. Bon, de toute façon, le serveur redémarre dans 45 secondes. Le mal se rapproche. Vous rallierez-vous à notre cause? Qu'avez-vous à rapporter? Bon, on va profiter de ces 30 dernières secondes juste pour. Voilà. Illidan. Le méchant devenu gentil, devenu méchant, redevenu gentil. C'est, c'est vraiment l'histoire de ce personnage. C'est Et qui pourrait très bien nous retrahir, hein, honnêtement. Une fois que la Légion est. Une fois que la Légion sera vaincue, il pourrait redevenir l'ennemi d'Azeroth. Enfin, l'ennemi. Pas un ennemi actif, mais. Mais disons plus un allié, quoi. Je vous rappelle que c'est. C'est Sarkozy dans notre monde, hein. C'est. Bon. Le jeu a craché, à mon avis, le serveur il est en train de redémarrer. Je vous.
Bon, donc on se retrouve, le serveur a redémarré. Je n'arrive toujours pas à rendre cette quête, l'assaut de brisage rivé, donc. Mais ça a réussi, ça a été suffisant pour débloquer apparemment les. Voilà, la possibilité de faire les quêtes. Donc c'est pas grave, à mon avis la quête n'est pas rendable, mais il doit y avoir une raison, peut-être que justement ça reverrouille, il y a peut-être un bug sur le serveur et ça reverrouille. Les quêtes en fait des gardiennes pour pouvoir obtenir les pactages en fonction des quêtes. Donc c'est pas grave, on va faire avec. Ce que je propose, c'est avant de partir pour Battle for Azeroth, c'est de se faire les. Ah, on a peu de temps en plus pour les faire. L'aube sombre par exemple, on va avoir peu de temps. Mais de se faire au moins deux boss. Je vais essayer d'aller plutôt à l'aube sombre. Je vais faire l'aube sombre d'abord. On va essayer de se faire ces trois boss-là. Non, je me dirige dans la mauvaise direction. Allez, droit devant, capitaine. Sur l'île là-bas. Je vous propose qu'on se fasse ça, comme ça, c'est le seul truc qu'on n'a pas vu et que j'ai jamais fait en fait. Donc, parce que cette île-là n'était pas du tout scriptée sur le premier serveur sur lequel j'ai joué à Légion. Donc, où est-il? Plus au nord, visiblement. Là. Non, pas lui. Il est en mouvement. C'est lui. Ah, ok. Alors, le problème, c'est que j'ai pas mon. Ok, c'est bon. Alors, parce que voilà, le problème c'est que j'avais pas mon marcheur. Là, je me heal à fond. Hein. Et je réinvoquerai mon marcheur s'il décède, enfin s'il approche du décès. Mais il est violent, il est violent. Ouais, il est balèze, hein. Ça, il est balèze, ce boss. Mais c'est le problème, quand je découille Reco, j'ai aucun fragment d'âme. Merde! Bic est boulé! Charge vite, charge vite! Oh la vache!
Ah non, il est vraiment brutal. Il faut vraiment que je garde un fragment d'âme pour réinvoquer mon marcheur. J'ai vraiment pas fait attention à la vie de mon marcheur du vide. Oh ça va, celui que j'ai invoqué, il a 27 000 points de vie. J'ai vu que la vie de mes familiers ne variait de temps en temps. Ah, et puis là je suis pas hier retombé à 20 000 d'un seul coup. Je garde un fragment toujours. Je peux balancer deux afflictions. Il est bloqué? Attendez, parce que j'ai un problème avec ce mob là qui vient d'aggro mon. Je dois d'abord choisir une cible. Attendez. C'est bon. Je peux le reviser. Et ça, il a bugué dans les textures. Merde! Et je me fais aggro par un autre mob. Je serai un peu mon marcheur. Bon. Je vais m'occuper de l'autre. C'est chaud, j'avoue c'est chaud, en plus les autres mobs ils viennent s'en mêler. C'est jamais bon quand c'est comme ça. Bon je suis à max de fragments d'âme. Oh là là là, ouais, par contre. On va l'avoir hein. On va réussir à l'avoir. Je suis dans son périmètre d'attaque. Ah ouais.
Pourquoi il... Ok, j'ai repris la grue un instant. Je vais surtout y balancer les traits de l'ombre là parce que... Oh non, 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 voilà. Oh non, mais c'est pas vrai. Tire-toi, toi. Les mobs qui viennent faire chier au milieu. Elle est plus 48 000 points de vie. Mais on va essayer de se faire les 3, hein, mais à mon avis... C'est chaud, hein. Ça lootait quelque chose, ça? Ouh, ouais. Ok, je vais réinvoquer mon marcheur. Ouais, il est temps. Eh ben, il était temps qu'il reprenne l'aggro, mon marcheur. Mais bon, je l'ai. Ouh. D'accord, ok. Eh ben, c'est violent, mais... Et en plus, d'accord, ok. Donc, je récupère des fournitures de guerre comme ça, aussi. Bon, là... Mais voilà, on n'a pas eu le temps de vraiment bien en profiter. Mais voilà, Ouh, eh ben... Sacré bestiole. Honnêtement, sacré bestiole. Est-ce qu'on se tente le second? 1 minute 9, et c'est tombé. Il repop dans 1 minute 9. Enfin, il repop, C'est pas qu'il repop, c'est... Il est réinitialisé dans 1 minute 9. Donc on va se faire plutôt l'hôte, on a 10 minutes pour se le faire. Espérons qu'il soit pas aussi violent que celui qu'on vient de faire. Mais à mon avis, c'est vraiment les world boss méga violents, quoi. Allez, on se le tente. D'accord, il a un pouvoir d'étourdissement. Ça, c'est pas ce qu'il y a de plus ouf. Ah, il tape à 1003, hein, il tape à 1005. Ah, il tape fort. Alors ça, par contre, le truc, c'est que si jamais il arrive à m'étourdir alors que mon marcheur du vide est en train de mourir, c'est le pire truc. Ouais, et puis on va peut-être utiliser ça aussi. Je crois que je me suis pas servi contre le combat contre Ombre Sombre, là. C'est une sacrée boss quand même. Et je dois récupérer 100...
Ouais, à mon avis, en butant des petits mobs, j'arrive à... On peut récupérer des fournitures du déclin, mais... Zut, j'ai plus mon... Faut vraiment qu'il... Ouais. Ouh. Merde, 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 merde. 3000! Putain, ah vache, il m'a mis 3000 points dans la... Non, pas comme ça, Zinedine. Pas comme ça, Zinedine. Ah, purée, puis mon téléphone qui sonne. Ah, vache, c'est l'enfer sur un étourdissement. Ok. Ok, faut vraiment que je prenne mes précautions là. Allez, tiens, 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 c'est bon. Putain, il a réussi à me mettre des miches, quand même. Hein. Oh, son étourdissement, il est chiant. Je suis qu'à la moitié de sa vie, hein. Purée. Oh le da... L'âge. Ton univers impitoyable. Oui, je pète un plomb là un petit peu. C'est rien. C'est des choses qui arrivent. Quand il y a des boss à 400 000 points de vie qui me tiennent tête comme ça, j'avoue. Assez brutal. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, c'est bon. Il faut vraiment que je régène là, faut vraiment que je régène. Putain, je suis mort. Non, c'est bon. C'est bon, ça le fait.
Non, prends l'agro. Wow. Il a mis du temps à prendre l'agro, hein. Merde, j'ai cliqué à côté, mais quel con. Non. Oh purée, l'enfer. Bon, j'ai toujours ma pierre d'âme, hein, mais ça me ferait mal de mourir à ce moment-là, quoi. Allez, c'est bon, je suis full vie. Ok, là faut vraiment plus que j'utilise par contre mon... Allez. On y croit. Allez, 40 000 points de vie. Non, il va le buter. Il va... Allez, 9000. Cent. Et bon. Wouh. Ah, la galère. D'accord, par contre, il a pas droppé de fourniture hormis ceux de quand je l'ai vaincu, quoi. Aïe. Faut s'accrocher, hein. Ok, on va essayer de faire le troisième. Je suis la bonne direction. Ouais, je suis là. Il est là. Ok, il est là. Alors, allez, je me concentre. Ouh. C'est chaud, hein. C'est chaud. Bon, 450 000 points de vie. Est parti. Et on ignore quel genre de pouvoir il a. J'ai pas regardé à combien il tapait, mais il a déjà démoli une grosse partie de mon marcheur du vide. Ouais, il tape à 1100 points de vie, je vois.
Il a l'air d'avoir un sort de fear ou un truc dans le genre, parce qu'en marcheur il se déplace. Le jeu a des freezes de temps en temps, mais ça on a l'habitude à force. Après, je peux tenter d'utiliser un petit peu ça aussi, hein, mais c'est mine de rien, ça. Mais ça, généralement, je m'en sers quand j'ai besoin de vie, quoi. Le sort de le voile de mort. Bon, on va réinvoquer le marcheur. Wow. Zut. Bon, c'est bon, j'ai récupéré un. Mais j'ai utilisé tous mes fragments d'âme sans faire exprès. Faut que je fasse attention à mes fragments d'âme. Parce que si jamais il me dérouille mon marcheur et que j'ai plus de fragments d'âme, je vais me prendre des dégâts sévères. Ça va, là, on le fait bien chuter, là. Hop.
va utiliser plusieurs afflictions là parce que. Hop, c'est bon. Allez, il descend en dessous des 100K là. C'est bon. Plutôt bon signe quand ça se passe comme ça. Et il m'aura touché que une ou deux fois. Hein, il... Zut! Ah bon, bah, je rappellerai, je sais qui c'est. Oui, j'ai reçu un appel. Mon marcheur. Ok, on m'a laissé un message vocal visiblement. Bon. Allez, 10 000 points de vie. Je pense que même mon marcheur là, il peut tenir jusqu'à la fin. Sans le réinvoquer. Ben voilà. It's like that we do it. J'ai bougé, c'est pour ça qu'il prend pas. Ah, et ben. Eh ben, on se sera fait les trois boss de cette île. C'est vraiment pour le fun. Et puis bon, ça rapporte quelques ressources de domaine aussi. Mais voilà, je voulais les faire. Donc, bah, ils sont faits. Bon, c'est pas ça apparemment qui va débloquer la quête. Mais je pense que la quête est faite. C'est fait exprès. Donc, on va juste. Hop. C'est con, hein, y a 25 fournitures dessus. Débloque l'accès au river. Ouais, en plus, ouais, je sais pas. En plus, ça leur débloquait des choses, donc. Mais je sais pas. Ça leur bloquait. Donc, à voir plus tard. Bah voilà, quoi. Cliquez pour afficher les détails de la quête. Oui, bah oui. C'est. Allez. Vous avez vu que j'étais niveau 113. Je voulais être niveau 115 pour attaquer Battle for Azeroth, mais... Ah, quoi que... Ah, mais non, 7 minutes. Ça va être juste. Sinon, j'ai l'habitude le soir, mais plutôt le soir, de faire les attaques des assauts de la Légion, notamment tuer ces boss-là, qui rapportent pas mal d'XP. Oui, ça marque 2900, mais en réalité, c'est presque 200 000 points d'expérience que ça donne. Ces choses-là, et puis et souvent il y a des joueurs de l'Alliance qui vivent, enfin, ouais, beaucoup de joueurs de l'Alliance, je sais pas trop pourquoi, pas trop de joueurs de la Horde, mais qui avec qui je combat, donc voilà. Ici, cette quête-là, elle bug parce que l'eau corrompue ne fonctionne pas, on peut pas les récupérer, et ici, les troupes de la Légion, on a beau buter des mobs, ça augmente pas le pourcentage, donc ces deux quêtes-là sont mortes, mais les deux boss, ainsi que la quête avec les diablotins, là, il y a des diablotins, ça marche, et il y a aussi, voilà, ces cristaux-là, ça marche aussi, mais bon, là, en 6 minutes, j'aurai le temps de faire aucune de ces quêtes. Ça prend un peu de temps quand même. Donc voilà, vous avez mon secret pour XP encore aux îles brisées. C'est de faire ces attaques de la Légion. Ça tombe de temps en temps, mais ça tombe. J'ai l'impression que c'est un petit peu aléatoire au moment où ça tombe. Parce que c'était tombé plutôt. Enfin, comment? Il y a deux jours, c'était tombé tard dans la nuit. Hier, c'est tombé vers 9h30, un truc dans le genre. Ou c'était avant-hier à 9h30, enfin je sais plus.
Et donc c'est assez random. Et je sais qu'il y a des sites où on peut avoir, mais je sais pas si pour Firestorm c'est référencé. Donc voilà. Écoutez, je pense qu'on va. Hop, Dalaran. On va quitter Dalaran, on va quitter les îles brisées. Et on va attaquer la dernière extension du jeu. Battle for Azeroth. Pourri ou tout lag. Le jeu lag déjà pas mal parce que bah, avec toutes les extensions et tout, évidemment, le jeu devient vraiment lourd. Mais Dalaran, c'est le pire, quoi. C'est vraiment la pire ville pour ça, quoi. Bon, attendez un instant, je coupe mon micro un instant. Ok, et puis MDR, je viens de voir sur mon téléphone, j'ai reçu un spam bizarre, mais c'est pas sur le bas. J'ai reçu un mail, alors je postais ça sur Facebook certainement, donc vous l'aurez vu, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est pas mal c'est pas mal comme scam ça. Je viens de recevoir un mail de phishing, mais qui sort vraiment de l'ordinaire, honnêtement. Le mec qui l'a fait, il est. C'est un enculé, hein. Mais c'est aussi un génie. Parce que c'est original. Mais pas de bol, c'est tombé sur ma boîte mail poubelle. Donc c'est la boîte mail que j'utilise jamais pour commander. Ou... Donc c'est forcément un faux truc, mais c'est juste parce que ça tombe dans la mauvaise boîte mail, mais en vrai, ça serait tombé dans la bonne boîte mail, j'aurais pu y croire. En gros, ça dit que j'ai un colis en attente, mais que les frais n'ont pas été payés, et donc il manque 1 €. Mais et donc évidemment bah à mon avis si je clique ça envoie vers une page où on demande les identifiants bancaires. C'est malin. Mais sur les livraisons, enfin c'est sur une fausse livraison, c'est et j'ai du matériel en plus en attente de livraison mais ça peut pas être ça. C'est marrant. Non, franchement, il m'a perturbé le mail, mais c'est clairement une escroquerie.
Bon. Oh. Wow. Ils sont beaux les dragons. Ils font laguer par contre les dragons. Bon, Battle for Azeroth. On s'attaque à ça? Si le PNJ veut bien charger. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on a le portail vers. Ah, c'est le portail de Fosfoyeuse, mais Fosfoyeuse. Parce que Fosfoyeuse se trouve à Lordaeron et c'est là que se trouve que se passe l'extension. Ok. Ok. Oh. D'accord, j'ai le choix. Bah, clairement, hein. Clairement, celle-là, hein. Nous sommes la véritable puissance de Kalimdor. Et donc, elle est plus puissante que mon arme prodigieuse. De quelle arme prodigieuse, je vais quand même la garder. De toute façon, elle est invendable, je crois. Ne faites pas de vieux os. Non, c'est bon, je peux la vendre pour 200 pièces d'or. Ouais, mais non, mais attendez, l'arme prodigieuse. Ça se garde, ça. Enfin, je veux dire, c'est l'arme de Légion, quoi. C'est l'arme prodigieuse de Légion. Putain, mais arrêtez. C'est leur dragon qui fait ramer à mort. Ah, ils abusent, les mecs, là. Mais, il y a beaucoup de trucs comme ça qui se passent à Orgrimmar, où les mecs font nimp exprès pour faire laguer. Et puis, j'ai une carte graphique qui commence à dater un peu, moi. Bon ben, Ultalèche, à bientôt. On va juste, on va. Ah oui, j'ai un peu progressé dans Légion, donc j'ai des nouveaux bandages, hein, comme vous avez pu le voir. J'ai les derniers bandages de Légion en fait. Mais ça coûte cher à les faire en fait. Ça coûte cher en soi, mais ça coûte aussi. Mais il faut aussi acheter des minerais. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, bande de soie tissée. Voilà, ça demande des minerais de tellurium et donc il faut être mineur. Or, je l'ai pas. Enfin, j'ai pas minage, donc j'ai dû acheter à l'HV et ça m'a coûté une blinde. D'ailleurs, vous avez vu, mon pognon s'est pris une sacrée claque, hein. De 75 000, je suis passé à 54 000 en pognon. Puis voilà, de la soie châle d'oreille, évidemment. Bon, ça encore ça va. 5 soie châle d'oreille, ça va encore. Mais c'est le tellurium, quoi. Le tellurium, ça coûte très cher à l'HV. Donc voilà, donc Légion, bon bah voilà, pour augmenter, faut que je fasse des bordages, tiens, je vais en faire un, comme ça. Voilà. Et à chaque fois, ça drop pas forcément. Enfin, ça donne pas forcément un point à chaque fois que j'en crée maintenant. Donc bon, on verra s'il n'y a pas de meilleur bandage, de toute façon. Alors, Deron. Quoique, je sais pas si c'est Lordaeron ou la nouvelle île, résultat. Je voulais vendre. Je veux vendre ça. Allez, hop. C'est
ça c'est d'accord. Hop, et le reste à vendre aux marchands. Parlez donc. Ça et ça. Ouais, alors ça c'est une truc de quête qu'on récupère souvent à Légion mais qui sert à rien. Bah on est pas mal là. Volables ne connaissent jamais l'ennui. Allez. Alors attendez, tout ce qui est non, c'était pas ça que je voulais, c'était ça. Toc toc toc. Donc ça, ok. Donc ça, oui, ça le suivi désactivé. Mais juste ça, on va juste arrêter le suivi pour le moment. D'accord, je pourrais aller récupérer. Hop. Et ouais, il y a ça. Pour le moment, on va arrêter le suivi. Voilà, on va se concentrer sur les quêtes de Battle for Azeroth. Sachant que Légion, j'y retournerai hors caméra. Pour, voilà, juste pour l'XP, juste pour le pognon, pour... Mais en tout cas, voilà, vous avez vu, hein, j'ai 27 000 de points de vie, donc j'ai continué en plus à... Le prophète Velen sera ravi de voir que vous avez répondu à son appel. Les Draenei attendent ce jour depuis longtemps. La Légion sévit en Azeroth depuis trop longtemps. Il est temps d'y mettre un terme. Attendez, je comprends pas, c'est... Ce que j'ai compris, Battle for Azeroth, c'est l'alliance contre la Horde. C'est la Horde qui essaye de défendre Lordaeron contre l'attaque de l'alliance. Mais là, ça parle de des démons. Wow. Ok. Tout va bien. J'agis pour la lumière. Al-Yel Shala. Dame Lyrienne pour appareiller à destination de l'Exodar. On part pour l'Exodar ? Nous sommes les agents de la lumière. Restez sur vos gardes. Bah, ok. Je suis le bras armé de la lumière. D'accord, oui. Alors, on va partir avec les Draenei. Mais pour où ? On se fait chier au niveau du bateau. Hein. Je vois que l'Alliance a également répondu à l'appel.